soit central, c'est-à-dire c'est comme un éventail. Ça, c'est une feuille de fougère. Allez, rassure maintenant, tu peux toucher cette plante-là. Allez, maman, non. Venez, sentez-là. Le principe, c'est que vous le caressez avec vos doigts. Vite fait, là, parce que une des missions aussi du jardin des plantes et que je fais beaucoup, c'est d'apprendre un petit peu aux gens à cohabiter un petit peu avec les plantes qu'on pousse autour de chez soi. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un côté sauvage, là, qui est volontairement assumé. Et en plus, c'est intéressant parce que les plantes, elles ne sont pas uniquement là pour notre plaisir, elles ont aussi un lien avec tout ce qui les entoure. Nous sommes dans le plus vieux jardin botanique de France, qui a 400 ans. Voilà. Donc, il a été créé donc pour la faculté de médecine donc, dont dépend le jardin, pour que les étudiants puissent donc étudier les plantes qui servent à soigner. Donc, c'est un jardin qui est toujours universitaire, donc toujours en lien avec les facultés, hein, faculté de médecine, faculté de pharmacie, faculté des sciences. C'est un jardin qui est méditerranéen. Donc on a aussi une nature qui est un peu plus sauvage, un peu désorganisée, moins fleurie. Et ça, c'est aussi les caractéristiques un petit peu de notre milieu. Et aussi, on montre ce qui est. On ne fait pas un décor végétal. C'est pas ça le but. Lui, il est plus ancien que les dinosaures. En fait, c'est le deuxième plus vieux de France. Voilà. Parce que l'autre, il est juste derrière. C'est comme un éventail. Ça, c'est une feuille de fougère. Je dis comme pour m'amuser que c'est une feuille un petit peu 2.0, une feuille un petit peu récente et inventée par la nature un petit peu plus récemment. Et là vous avez la version un petit peu plus ancienne, hein. La feuille un petit peu archaïque est encore très efficace, mais elle n'a pas de nerf central, elle n'a pas du tout la même architecture. Donc celle-ci quelque part est beaucoup plus proche d'une feuille de fougère. Oui, en plus j'adore les îles désertes. On se confie un petit peu, comme si on se confiait à un vieux sage, comme ça. C'est des traditions qui sont prises dans beaucoup de régions, beaucoup de pays, qu'on ne connaît pas chez nous. Et on voit à quel point c'est important parce que ça marche très bien. Il y a tous les âges, les enfants, les grands, les étudiants, des vœux graves, des vœux légers. Voilà, c'est une façon aussi de se concilier, de faire sortir de ça quelque chose. Donc il a plus de 400 ans. La machine à vœux continue de marcher, il n'y a qu'à voir, la vidé il y a encore deux jours, il est plein. Hein. Non mais là, attends, dis un truc. 32 octobre, je t'aime, ma petite, voilà. Je suis oui. Même c'était. Ouais. Vivez joyeux !